je pense que je vais faire mes dailies sur Princess. Et puis après, repos soldat. Le repos du soldat. Le smite, ça m'a fatigué. Il y a le reset de la journée, je fais ça vite fait, et puis après, je prends ma pause. Je reviendrai peut-être dans la soirée, si jamais j'ai le courage, si jamais il n'y a pas de soucis. Ah. Quand je lance BlueStacks, on voit mon fond d'écran derrière. Je sais pas pourquoi. On voit mon OBS et mon fond d'écran. Attends, hop. Au repos, Broly. Ouais, ça va. Je suis pas fatigué. Je pense que je vais me poser devant un animé ou faire des trucs. Beaucoup de fois que je tombe sur ce fond d'écran de Nisekoi. Dès que je relance le PC. Ouais. Le diaporama de fond d'écran, il est aussi aléatoire que moi quand je fais un choix, quoi. Tac, 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 tac. Tac. J'ai la flemme de relancer VC Face, hein, ce sera PNG Lee. Et puis voilà tout. 19h03, c'est un bon moment pour s'arrêter. Pendant que j'ai commencé à quoi, 16h, que j'en ai fait ce matin. Je suis bien. Je suis bien. On a le PC un peu du mal là. Je sais pas pourquoi, j'espère que c'est pas la chaleur parce que sinon je te raconte pas cet été comment je vais m'amuser. Tac. Ok. Merci pour les skip tickets. Le PC en PS, bah j'espère pas. Hein. Je t'avoue que ça me fait un peu peur. Le ventilo, ouais, bah là j'ai pas de ventilo, genre le truc sur pied, tu vois, mais là tous les ventilos du PC sont allumés, quoi. Après, il a pas spé. Oh, si, il a quand même un peu chaud. Mais pas plus que d'hab, en fait. De toute façon, il est toujours dans les 50 degrés, donc. Déjà, pour la longévité du PC, c'est pas bon. En été, je te raconte pas. On va essayer celle-là. On verra bien. On verra bien. Pam, 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 pam. Oh là la patate. Après la team marche bien là hein. Avec la Tamaki met des grosses patates. Maintenant que je les ai mises à niveau. La team de Sensei fonctionne hein. La team de Sensei fonctionne hein. Fonctionne même très bien. Kalanano. Ah oui, il faut que je change le titre, j'ai oublié. Tac. Tac. J'ai oublié. Princess. Et pause. Et voilà.
C'est changé. Ok. Allez. Voilà. Fini. Easy win pour Ali. Ils n'avaient aucune chance. Ils avaient 20 levels de moins. Ils ont failli m'avoir. Wouh, victory! Ça a même pas fait augmenter mon rang. Super. Super ça. Alors, on va mettre Suzuna. Kaori. Pac, poc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Zé? Pourquoi tu rigoles? Oh. Super ça. Alice fait démonter. Super. Je me fais aise. Ali got wrecked. Coup dur. Hein. Il reste le donjon battle. Là. Toi. Là. Et enfin... Parfait. Ça va bien se passer là. Bonne squad. On verra bien. Normalement, ça devrait très bien se passer. Je me mets la tankeuse. On verra bien. Bon. Je terminerai ce soir. Il est déjà trop chaud, c'est même pas le début de l'été. Vivement la pluie, ça va être agréable. Qu'est-ce que j'aime la pluie, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Galère un peu à trouver de nouvelles paroles. Une j'ai trop chaud, je réfléchis plus. Il me reste à améliorer ça. On améliore la pécorine. Summer. La protégée d'Ali. Il l'a obtenue. Grâce à sa persévérance. On va tout recevoir. Je like un clan member. Vas-y, j'y fonce. Qu'est-ce qu'il veut lui? J'en ai combien? J'en ai 11.
Ah, je peux lui en donner. Je peux lui en donner deux. Super. Super, super tout ça. Je vais liker notre membre. Merci. On l'a accepté dans le groupe. Je lui fais comprendre qu'il est le bienvenu. Oui. Blablabla. Blablabla. Voilà. Bonus shop qui a tout ce dont on a besoin. Ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin. Pam, 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 pam. Pam 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 pam. Tout ça c'est que des trucs que j'ai débloqué tout à l'heure, enfin l'autre jour. Nickel. Pour me remplir les poches. Ah. Magnifique. Et des charpes pour Kokoro. Miss Click, évidemment. Les Ali Miss Click. Tac. D'aller chercher ma stamina ici. Like info. Ou j'aurais like step on me. C'est parce qu'il me fait rire. Du coup, je peux lancer ça comme ça. Tac, 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 tac. Full stuff. Parfait. Ok. Fermé. On fait les boss. Toujours la même team. Pas besoin de changer. En attendant, je veux aller faire quelque chose. Juste mettre un petit. Voilà. Voilà, je le sens petit. Ah, j'ai appuyé sur mon bouton. Voilà. Alors, animé liste complète. Est-ce qu'il y a un animé que j'aurais envie de revoir histoire de m'occuper?
Attendre que le ward s'allume. En tout cas... Qu'est-ce qu'il y a, Zeb? Vas-y, je baisse le volume, là, ça m'énerve. J'apprécie que tu stream autant, c'est vrai. Pourquoi ça? Pourquoi ça, pourquoi ça? Moyen de faire disparaître ces saletés là. Alors ouais. Alors, hop. Voilà. Tac. Tu te sens. Tu t'amuses bien en regardant mes streams. Alors, paramètres. Mais non, mauvais bouton, mais je suis trop idiot. Ah, d'accord, c'est ce genre d'appréciation finalement. Oui, bon. Bon. Ok, non, mais... Ok, cool. Super. Super, tout ça. Alors, capture de fenêtre. Ah ah ! Voilà. Bon, Ked. Oui, aussi, je m'amuse. C'est bizarre, tu disais que c'était vraiment le... Dernière proposition. Alors, je vais l'agrandir. Voilà. Quel animé je vais me re-regarder? Ouais, en attendant que ça fight, on fait d'autres trucs. Jusqu'à rien, rien. Dans lequel j'aurais oublié du lore. Non, non. 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 Non, non. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Non, non. Non. Fuck. Non, non, non. Non, non, non. Certainement pas non plus, 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 revu il y a pas longtemps, non. Revu il y a pas longtemps, et puis commence à connaître par cœur. Non, revu il y a pas longtemps, non. Non, certainement pas, non plus. Non. Non, non. Non. Vu il n'y a pas longtemps. 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 Non. Non. Vu il n'y a pas longtemps. Non. 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 Je vais me resservir du coca en l'honneur de la semaine où je pourrais plus en boire. Je vais adorer ça. Que ce soit avant ma semaine d'examen parce que clairement je pourrais pas survivre si jamais je bois pas de coca. Allez, hop. Non, non. Non, non. Ah. Non, non. Non plus, non plus, il n'y a pas longtemps. Trop bizarre. Profite, ouais, super. Je profite. Bon, et du 7-up, tant pis. Tu me diras quand c'est plus safe pour toi. Non, non, mais t'inquiète.
No Game No Life, Black Baguette, Mechaku City Actors, non. Tsugi no Shaikan, non plus. Pourquoi Goku no Black, non. Non plus. À voir, on n'entend pas longtemps avec le bro. Non plus. Non plus, trop bizarre. Non. Non, vu il n'y a pas longtemps. Non. Vu il n'y a pas longtemps. Ah, ça y est, c'est fini. Non plus, et puis trop bizarre. Non plus, et via plein temps. Via plein temps quand même. Non. Ok, je pars sur ça. Prochain anime que je vais regarder. J'ai dit que j'aimais les isekai. Hop, j'ai envie de voir un isekai. J'ai vu trop de drama ces derniers temps, trop de trucs réalistes, trop de slice of life. Un peu d'isekai, hein, ça fera pas de mal pour une fois. Isekai wa smartphone to tomoni. Je me rappelle, fun fact, j'avais tellement galéré à le trouver en streaming. Genre, c'était ignoble. J'avais même soupçonné l'anime d'être un test pour voir si les méthodes pour empêcher le visionnage en streaming étaient fonctionnelles. Genre, vraiment, ils avaient vraiment mis la max. Ça a marché pendant les premiers mois et puis après, bah, je l'ai trouvé première recherche. Le système est fonctionnel pour les premiers mois. Et puis après, bah, comme c'est pas une vérification constante et qu'à un moment ils sont obligés de laisser des bots faire le taf, bah, ils perdent. Ils perdent la partie. Bon, voilà. Voilà, vous savez maintenant comment je cherche des nouveaux animés à regarder. Enfin, des animés à re-regarder. Je vais dans ma liste de ceux que j'ai regardés. Et si jamais il y a des noms qui me tentent, je fais OK. Je fais OK. Et puis voilà. Maintenant, c'est plus savoir quel anime tu vas regarder plutôt que de savoir quel anime tu vas découvrir. Hein. C'est, je veux dire. Genre, à mon level, je pense que j'ai regardé tous les animés que j'avais envie de voir depuis 2015. J'ai au moins lu le nom de tous les animés depuis 2015. Bonne méthode, je sais pas. Je sais pas, mais comme moi, je suis toujours en attente des suites et tout ça. De qui sortent les chaque semaine, je suis bien obligé de faire ça pour me calmer. Ou alors j'ai prévu d'attaquer une nouvelle série parce que je me suis découvert en vrai un peu une sorte de passion, mais en gros je trouve que le rythme mélangé animé série en même temps, il y a vraiment des moods où t'as envie de regarder des séries et des moods où t'as envie de regarder des animés. Donc je pense que je vais peut-être je me suis fait Doctor Who, donc quand même j'ai dû me taper bien 8 saisons de Doctor Who là ces derniers temps. J'étais à fond dedans. Je pense que là je vais partir sur du Game of Thrones. Il y a moyen. Je vais sans doute alterner entre ça et puis comme d'habitude je regarderai les animés qui m'ont plu mais dont j'ai plus le lore. Je me suis refait tous les ReZero, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis refait du coup les
Kanojo Kalishimas. On en a reparlé et tout ça, on en avait parlé et tout ça de ce héros, que je trouve toujours aussi peu méritant. Mais j'ai une meilleure visuelle de lui, tu vois. En ayant regardé l'œuvre et tout, j'ai un meilleur visu sur lui, j'ai un meilleur avis sur lui. J'ai un meilleur avis sur lui. Je pense toujours qu'il est ultra irresponsable et tout, mais il y a un de mes avis sur lequel il a changé, c'est que au final, je trouve la waifu principale autant coupable que lui d'entretenir leur relation. Genre, elle fait pas la michto, tu vois. Genre, c'est pas pour. Clairement, elle continue pas leur relation pour le fric, tu vois. Enfin, du moins, il y a toujours l'ambiguïté de savoir si c'est son but ou non. Mais tu sais, tu vois dans ses gestes qu'en tout cas, elle est plus professionnelle. Et je trouvais ça bien de que tous les griefs ne soient pas contre le héros et qu'il y ait aussi un peu contre la meuf qui a aussi forcé un peu. Et du coup, ça m'a un peu, ça m'a un peu, hein. Ça a un peu baissé, augmenté mon estime du héros. Mais du coup, ouais, un revisionnage, ça permet de retirer des a priori. Genre, j'ai pas mal d'exemples parce que j'ai fait pas mal de revisionnages d'œuvres que je me suis dit, bon, j'ai peut-être un peu d'abus dessus, tu vois, j'ai peut-être un peu abusé dessus. Genre, prends par exemple. Your Voice, premier visionnage, bon, il y en a certains qui ont vraiment beaucoup apprécié l'œuvre et tout ça, qui ont vraiment passé un super moment et tout, que je comprends, hein, je comprends, mais premier visionnage, j'ai craché dessus, hein. J'ai vraiment craché dessus, hein. Genre, je peux pas expliquer pourquoi, mais j'avais vraiment une énorme colère. Une énorme colère contre ça, genre. Clairement, la fin de l'histoire, je l'avais même pas regardé attentivement, tu vois. Genre, tellement je trouvais que le message était mal transmis et tout ça, que au final. Bien, je sais que mon premier avis sur Your Voice, c'était au final, elle avait même pas besoin d'avoir un handicap en fait. J'étais parti, je trouvais ça abusé que au final il lui ajoute un handicap pour augmenter un peu l'empathie qu'on a envers la waifu. Tu vois? Genre clairement ça aurait pu être de la discrimination lambda et ça aurait été exactement la même œuvre. Et ça, je garde toujours ce même avis dessus, tu vois, c'est. Clairement, c'est un moyen de se battre sur tous les fronts, tu vois. Même si l'œuvre est bien transcrite et tout ça, même si évidemment il y a des scènes qui parlent de la vie de tous les jours de la waifu qui est pas forcément plus simple que les autres. Mais c'est vrai que sur mon premier visionnage, j'étais vraiment intransigeant là-dessus et je trouvais ça abusé qu'ils aient été obligés de rajouter ça pour vraiment qu'on. Que tout le monde soit là, oh là 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 là, ça fait tellement de la peine, ou là là, on a tellement de la peine. Et deuxième visionnage, bah, j'ai toujours pas approuvé le fait qu'il couple harcèlement avec handicap, même si en soi ça va de pair. Mais l'œuvre était beaucoup plus digeste et j'ai vu tous ses bons côtés, c'est-à-dire une animation de fou, un scénario qui suit bien et qui se regarde très facilement et très agréablement, tu vois. Genre, même si le scénar, je le trouve tiré par les cheveux, j'approuve quand même tout le travail qui a été fait sur l'œuvre. Et ça, tu vois, c'est en ça que j'ai senti que j'avais un peu mûri. Au moins sur les animés. Que j'étais plus juste. Qui était là. Oh, l'histoire, elle est nulle! Mais voilà, c'est un peu. Changement d'analyse. Changement d'analyse. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de refaire des revisionnages. Même d'une œuvre que t'as pas forcément envie de revoir. Mais ton avis peut changer dessus. Genre vraiment. Grandi et c'est beau. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Genre. Je comprends en vrai. Ouais. C'est un peu complexe à expliquer. Genre, c'est pas. C'est pas grandir, mais c'est étant donné que. Je veux dire.
En tant qu'humain, en tant que Français et tout ça, notre environnement il change un peu. Genre on vit d'autres choses. Je veux dire clairement à chaque étape de notre vie, on vit des expériences, on est plus ou moins seul, on est plus ou moins heureux. Donc forcément, l'avis qu'on a sur les choses va changer en fonction de l'étape à laquelle on est. Et c'est sûr que. Peu importe le sujet sur lequel on parle, en fonction de l'étape à laquelle t'es dans ta vie, tu vas pas avoir le même avis dessus. Genre moi, Ali lycéen, lui c'était. Je veux du harem et je veux pas qu'on me parle. Je veux pas qu'on me parle de sujets graves et tout ça. Genre clairement j'ai pas besoin. Genre à cette époque-là, j'avais pas besoin qu'on me parle des malheurs, tu vois. C'est pas tellement une envie de pas prendre conscience, mais je pense que j'étais plus dans l'optique du ce qui les histoires tristes des autres, bah en fait elles vont me rendre triste. Genre le fait de parler d'un truc grave et triste, tu veux plus de harem. Ah si, t'inquiète pas. Non mais t'inquiète pas, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais regarder un isekai. C'est que je suis plus aussi rébarbatif à l'idée d'aller voir des dramas ou des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'au final, il y a quand même des pas des leçons à en tirer, je sais pas, peut-être une envie de voir des gens qui ont une vie plus chiante, tu vois, qui souffrent plus que toi. C'est pas de l'empathie, c'est de la cruauté. Je veux voir des gens qui souffrent plus de moi. Mais ouais, c'est marrant de voir que ton avis change alors que t'avais vraiment un avis super précis. Après, voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis, l'expression est bien trouvée, tu vois, genre... C'est-à-dire, ça veut dire qu'une personne qui change pas d'avis, elle a pas évolué dans sa pensée, et donc elle n'a pas grandi. C'est la conclusion qu'on peut en faire, étant donné l'analyse que j'en ai. Si je change d'avis à travers les étapes de ma vie, une personne qui ne change pas d'avis à travers les siennes, ça veut dire qu'elle grandit pas mentalement, tu vois. Mais du coup, ouais, ça explique aussi pourquoi est-ce que tu vas avoir plus envie de regarder des mangas, plus envie de regarder des séries, c'est en fonction de ce que tu vis aussi, tu vois, genre, en fonction de tes envies et de ce qui va sortir ou des trucs comme ça. Moi, de toute manière, je regarde presque la totalité des animés, donc... c'est-à-dire, c'est même plus une question de savoir ce que j'aime ou non, c'est juste que j'ai l'habitude et que je kiffe être... Je kiffe ça, je kiffe être observateur, tu vois. C'est ça, le rôle d'observateur, d'un spectateur de manga, c'est un peu... Tu regardes la vie des gens sans que les gens aient forcément regardé ta vie, tu vois. Tu sais, on te raconte une histoire, quoi, genre... Le fait d'être le personnage omnipotent qui sait tout et qui voit tout, sans pour autant qu'il ait à rendre des comptes, c'est un rôle qui me plaît bien, tu vois. C'est sans doute pour ça aussi que j'aime beaucoup les animés, les séries, les histoires en général. Je veux dire, j'aime bien écouter les histoires des autres, mais j'aime pas tellement qu'on me parle de la mienne ou que je fasse la mienne. Peut-être aussi pour ça que je regarde autant de mangas et d'animés. Genre des fois, il faut réfléchir sur soi-même et sur les raisons pour lesquelles on fait tel ou tel choix ou on devient telle ou telle personne. Ali philosophe. Alors des fois, c'est important de se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon BlueStacks a planté. désolé Gita, je te l'ai laissé. Non mais, genre... Des fois, ça peut être tout con, tu vois. Alors, tu te dis pourquoi j'aime bien les animés. Tu vois, ça peut être. Tu sais, il y a certaines personnes qui diront juste, j'aime juste ça. Mais si jamais tu vas plus loin et que tu essaies de réfléchir à pourquoi vraiment, dans le fond, est-ce que t'aimes ça, bah, t'arrives à des conclusions qui sont vraiment très étranges. Genre, finalement, en fait, ton choix, il est super réfléchi et c'est pas juste tu aimes ça. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'une personne qui viendra te dire, les animés, t'as animé, t'es pour les enfants, et bah, c'est sûr que ça va te. C'est sûr que ça va t'arriver dans la figure plus violemment que d'autres. Genre, c'est aussi ces raisons-là qui sont pas forcément, qui sont même pas forcément claires pour la personne qui les subit. Enfin, quand je dis subir, je me comprends, mais
Mais ouais, c'est. Après, voilà, c'est ce que je... c'est, ça revient aussi au débat du les expériences que chacune des personnes vit forge son caractère et va faire en sorte qu'elle soit plus réceptive à telle chose ou telle chose, tu vois. Ali philosophe. Par contre, du coup, est-ce que j'avais fini tout ce que j'avais à faire sur. J'avais fini ce que j'avais à faire. Je m'en rappelle même plus. Je crois que oui. Je suis pas sûr de ce que je dis. En tout cas, je peux partir dans des débats comme ça à partir d'un. Je vais regarder un harem. Un isekai harem. C'est grave, hein. Grave, hein, Ali, il a trop réfléchi là. Sur ce, je vais prendre ma pause. Je vais aller me faire mon miam. J'ai regardé mon petit animé. Je vais réfléchir à rien. Ça va être très bien. Sur ce, Zeb, bon courage pour plus avoir chaud. Je vais pas te laisser obtenir plus de points. Hein, faut pas déconner non plus. Ah! Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Peut-être même pour du smite. Je sais pas. On verra bien. Ça dépendra. STP les points. Ouais, bon app à toi aussi si t'as pas déjà mangé. Pour que moi, si jamais t'as envie de faire du Apex, moi je suis toujours dispo. Je suis pas sûr de restream ce soir, mais on verra bien. On verra bien, tout est possible. Je vais ouvrir des boosters. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je viendrai voir, je viendrai jeter un œil. Jeter un œil. Bon, allez. À tout du coup. Bye bye!